Bon, allez, on continue. J'espère que vous trouverez votre ami. Hé, faut que je vous dise quelque chose. Tu es la bienvenue chez nous et dans nos cœurs. Suis la voie et tu trouveras les réponses à tes questions. Moi, un chacalope. Faut aller par où? Par là? Ceux qui nous combattent espèrent être sauvés. Ce n'est pas notre combat. Notre voix. Tu en es la preuve. Celle du monde extérieur. Nous avons tous besoin de traiter. Alors nous devons être forts. Nous devons être vigilants. Tu verras.
tu vas enfin comprendre. Parce que ceux de l'extérieur verront ce que nous avons créé ici ensemble, notre nouvel Éden. L'amour. Et ils viendront. Ils voudront nous prendre ce que nous avons construit. Tu me juges. Tu nous juges. Tu juges toutes nos actions. Les gens disent que je suis fou. Mais tous les matins, au réveil, nous voyons les mêmes informations. Tes yeux ne subissent-ils pas l'horreur? C'est ça, notre monde! Ça! Ça, c'est le monde que nous léguons à nos enfants! Des communautés qui s'entre-déchirent. Des murailles qu'on érige parce que nos leaders sont incapables d'agir. Trop idiots pour nous montrer le droit chemin. Je n'ai rien demandé. J'ai été choisi. Car l'homme est faible et vulnérable. Nous sommes projetés vers notre destruction et personne n'est disposé à tenter de l'empêcher. Je le vois bien, et toi aussi. Et nous ne sommes pas fous. Alors que sommes-nous censés faire? Faut-il rester là à attendre l'inévitable? Je ne prétendrai pas être parfait. Mais je sais ce qui nous attend et je veux agir. Aider. Parce que la société est brisée. Et notre unique solution, c'est de redevenir ce que nous étions. Innocents et purs. À l'abri, protégés, dans notre jardin. Je peux te sauver. Ouais, on va sniffer des fleurs. Foutu la trouille. Shérif, y en a deux qui sont pas revenus. Les gars... Qui s'est occupé de Burke? Grady, normalement, mais... Putain, où est Grady? Ah, seigneur. Foutu. Foutu t'allonge, Hawken. Je repasserai demain matin. Putain. Mais j'ai sniffé des fleurs, c'était bien. Bah déjà, j'en ai pas beaucoup des neurones, c'est en plus tu m'en enlèves. Quoi de neuf?
Merci pour ton aide. On peut plus sniffer des fleurs tranquilles, hein. C'est scandaleux, voilà. Bon alors. Maintenant, je suis à Perpète. La carte. Voilà, tant qu'elle se décide, l'autre à tirer. Pas de quartier. Problème droit devant. C'est vous que Face recherche. Enfin, tu sais ce qu'on dit. Apprends. Un homme a péché.
Alors, trouver le moyen d'accéder au pont. Mon blindé. Je trouve un meilleur angle. Oui, ça serait bien que t'arrêtes de me passer devant là. Je suis mal placé, je bouge. Non, là, plus. On va pas laisser ça ici. Par où est-ce qu'on pourrait passer? Ça c'est plein. Merde alors, ça va pas être simple de tirer là-dedans. Mieux d'accéder au point. Des grosses conneries. La souffrance c'est un choix. Et bah putain. Interagir. Je vous ai demandé. Vite, 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 nage! Ah putain. Hop là.
ça c'est verrouillé. Détruire. Ok. Ça c'est bon. Par contre, il y en a qui arrivent. Oula, parle pas trop vite, ça arrive de partout. Ok. Faut trouver quoi là-dedans? Trouver au pont. Eh, qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là? Tiens, cadeau. Oui, je les ai vus, le problème. C'est bon? Bon, on sort d'ici, hein, parce que je vois des... Je capte plusieurs conversations. Des trucs bizarres. La fête est furieuse pour la station de traitement des eaux. Ils vous en veulent. Bien joué, officier. Voilà. Alors ensuite. Allô? C'est Miss Marvel. Allô? On va aller faire la taxidermie de Pépèche. On a des tarés. Je pense qu'il se relèvera pas. Dans la tête, direct.
change de position. Je peux rien faire d'où je suis. Déjà, je t'aime bien. Regarde des stupes. Officier, c'est Tracy. Je vois que vous avez trouvé les hôtels que Face a construits. Il y en a tout au long de leur pays. Ok, mais d'abord, on va faire... Il y a toujours un troupeau de cinglés autour. On va aller voir Pépèche. Vous pourriez les calmer un peu? Réduisez tous leurs hôtels en poussière. Ils sont au cœur des dingues, ok. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Attendez, j'ai un petit problème de son. Voilà. Autant récupérer tout ça. Je change de place. Pas vrai? On sait jamais sur quoi on peut tomber. Allez, Pépèche, où tu te caches? Vous êtes italienne? C'est bien ma veine. Je peux faire aussi une croix sur mes bijoux. Bon, je me fiche de qui vous êtes. J'ai besoin d'aide. Ces petites merdes ont débarqué chez moi pour tuer ma Pépèche. Et elle a fugué pour se venger. Connaissant Pépèche, elle doit se faire un vrai festin avec ses hippies. Elle doit rôder dans le terrain de camping d'à côté. Ça pue les dessous de bras et la charcuterie là-bas. C'est forcément que ce crétin de fanatique traîne dans le coin. Allez la chercher, et prenez ses biscuits avec vous. C'est comme cette petite pute de Drummond à la marina. Elle vous suivra au bout du monde pour une gâterie. Maintenant, ramenez-moi ma petite chatte. Juste pour vous prévenir, si vous voyez quelque chose de sauvage, c'est pas une hallucination. J'espère qu'on va... pour sa digestion.
bouge pour trouver une meilleure vue. Oh putain, c'est foutu devant moi. Des friandises. Friandises de pépèche. Ramener pépèche à la maison avec les friandises. Mais elle est con ou quoi? Oh, pépèche! Ici! Allez, viens. J'ai entendu un truc. Je vais le suivre. Qu'est-ce que... Le pêche est coincé comme une gogole. C'est contrôler entièrement la région d'Opcanti. On leur prouve le contraire. Chez vous, je m'occuperai rapidement de cet animal. Ah, oh, ça va, c'est des sols, là. Barre-toi. Allez, la pépèche à sa mémère, là, on y va. Ça s'est pas trop mal terminé. Non, j'étais lancé sur Boomer. Tiens, un pépé, je vais ressembler un peu.
Bien reçu. Voilà. Vas-y, sors! Oh putain! Je trouve un meilleur angle. Entre nous, j'aurais pas cru vous revoir un jour. Vous aviez pas l'air d'être une lumière, mais j'admets que j'avais tort. Mais dites-moi, pourquoi vous garderiez pas cette minette? Ça m'a fait des vacances pendant quelques jours. J'avais pas à m'occuper d'elle tout le temps, lui filant à boire et à manger. Allez, adieu, on en a fini. Mais c'est ça, s'occuper d'un animal. Tu parles de vie. Pépèche d'enfer. Autant récupérer tout ça. Là. Alors, on va prendre Pépèche avec nous. Voilà. Pépèche, c'est une sacrée bestiole, mais je préfère encore traiter avec elle qu'avec ma meule. J'aime pas trop les chats, mais celui-là aime bien bouffer des cinglés, et ils la verront jamais arriver. Voilà, on a le gros chacha. Je vous suis. Je voudrais m'excuser auprès de tous les membres d'Eden's Gate, et notamment auprès du père Joseph Seed. Je vois pas nous n'aurions pas dû venir. Si c'est pour que nous avons commis une erreur. Tout ce qui s'est passé à l'église a été orchestré par un officier qui. Je vous imaginais pas aider à libérer un paquet de prisonniers comme ça. Bordel! Bon voilà, on va s'arrêter là. On a récupéré Pépèche. Hein, Pépèche? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, à plus!